C'est au cœur du village, qu'elle soit jeune d'un grand âge, qu'on lui donne le nom de sorcière. Cette femme, peu ordinaire, à la fois crainte et respectée, ses compétences sont variées. Nombreux ont recours à ses services pour un mal, une envie, un sacrifice. Bien souvent dans le secret, de peur d'être soupçonné. Loin de la médecine traditionnelle, c'est à d'autres énergies qu'elle fait appel. Remèdes puissants, potions baveuses, on la qualifie de rebouteuse. En fonction des cultures, elle serait même diseuse de bonne aventure. Elles surgissent pour vous mettre au défi. Dans la chaleur du feu et la lumière des flammes, elles reviennent tourmenter vos âmes. Il est fait de langue verte. Ensuite, il nous faut une bougie rouge. La bougie rouge. Si vous pensiez voir dans le ciel une luciole, ce n'est autre qu'une sorcière en plein vol. C'est dans le plus grand des secrets qu'elles viendront vous ensorceler. Elle s'arrive.
ça arrive. La vérité, on ne sait pas. Si un jour, on vous demande ce qui est vrai ou bien légende, répondez simplement que vous n'en savez rien, qu'elles sont ni le mal, ni le bien, juste des femmes, victimes du sort d'une société qui leur donnait tort.